Requiem pour les mamouchis. Serpents de la famille des vipères, nous sommes connus pour notre vitalité, que l'on adule, convoite, jalouse. Il paraîtrait même que notre venin, absorbé par les humains, aurait quelques vertus médicinales, leur redonnerait vigueur sexuelle. Nous sommes chassés, repérés au bord des rivières dans les forêts reculées du Japon et bientôt capturés. Non alimentés pendant plusieurs jours, nous rendons enfin notre dernière merde en vidant ainsi nos intestins devenus propres. Étendus ensuite sur un lit de glace où nous perdons connaissance, nous sommes éventrés, éviscérés, recousus. Mais comme notre soif de vivre est intense, nous sortons alors de notre inconscience, nous nous relevons. À ce moment-là, nous sommes saisis par la gorge et plongés vivants dans une bouteille d'alcool de riz où macèrent déjà et nous attendent herbes aromatiques et miel qui donnent à notre bocal cette merveilleuse couleur dorée. On referme alors sur nous la bouteille. On scelle notre tombe où, toujours vivants, nous pouvons nous débattre encore une dizaine de jours avant que de mourir étouffés et de cracher enfin en un ultime geste de souffrance et de fureur, et ceci pour le plus grand plaisir des observateurs, notre venin qui se répand onctueusement dans le saké. Nous sommes prêts à la consommation. Mais aille bien regarder, ces mamouchis, ce sont aussi les humains, et cette mort embouteillée, c'est bien la leur. D'une vie l'autre, ils vont ainsi, de bocal en bocal, toujours souffrant, toujours captif. Requiem pour les mamouchis.